There is a Manhattan bound local 7 train to 34th Street, Hudson Yards. Approaching the station, please stand away from the platform edge. Most famous building, and you get to see it built. Keep your arms and legs inside and keep your eyes open. See those hot rivets fly through the air? Nice catch, Lou! Get those planks out of the way, huh? They're coming up to the 80th floor. You're headed to the top of the Empire State Building right here in the heart of New York City.
Dankeschön. Sehr. Merci. 감사합니다. Thank you. Petit débrief de hier et d'aujourd'hui, parce que hier on était explosés après le match du NBA, donc on a bien fait dodo. Hier, qu'est-ce qu'on a fait déjà? Je ne me rappelle même plus de ce qu'on a fait. Statue de la Liberté. Ah oui, Statue de la Liberté. Comme tout le monde le dit, elle est belle, mais elle est minuscule. Mais ça vaut le coup. Franchement, si vous pouvez le faire, c'est très beau, parce qu'au final, c'est assez chouette de l'avoir de près. Et on a beaucoup aimé en soi. Toi, t'as aimé pour faire aussi les photos et tout. C'est ouais, franchement, c'est vraiment sympa. Après, alors ils mettent, vous avez la possibilité de faire les deux îles, l'île où vous avez donc la Statue de la Liberté et l'île où vous avez donc là où les comment expliquer ça sans que ça paraisse voilà, les étrangers, les migrants en fait arrivent. Où ils sont checkés pour leur santé, etc., machin, d'où ils arrivent, etc. Et donc, vous pouvez visiter. Donc, quand vous prenez le ferry, donc d'abord, vous arrivez à côté de... Enfin, le lieu là où vous prenez le ferry. Vous prenez le ferry, vous allez sur l'île. Ils vous arrêtent. Vous faites votre petit tour. Et au moment où vous le décidez, vous repartez là où donc, le ferry arrive. Et en fait, il fait un arrêt à la deuxième île. Et après, il va direct à New York. Nous, on n'a pas voulu y aller parce que j'avouerais que ça me rendait un peu perplexe. C'était un peu... Enfin, voilà, genre... en plus, ils aimaient bien dire « Oui, alors, dès que les migrants arrivent, bah, du coup, ils vont là, ils font plein de check de partout, nanana. » Et genre... c'était pas un mood que j'aimais bien, en fait. Donc, du coup, ça ne nous intéressait pas. Donc, du coup, on a préféré... se balader plus tard, enfin un peu plus loin dans New York et éviter cette île là quoi. Du coup, on est allé au pont. Du coup ouais, on est resté quoi avec le temps du ferry plus le temps sur autour de la Statue de la Liberté. Deux heures et demie, je crois. Parce que sur les applications, ils vous disent que c'est entre 2 heures et 5 heures. Et du coup, on avait dit qu'on avait fait à peu près la moitié, donc on a fait que une île. 5 heures, c'est pour les deux îles. Donc, on est parti plus tôt que prévu. Donc, on était contents. On est allé voir, du coup, Brooklyn Bridge. Incroyable. Beaucoup de monde, mais incroyable. La vue est très belle. Quand on voit ça sur le guide de vacances et qu'on le voit en vrai, ça fait quelque chose quand même. Enfin, moi, ça m'a fait quelque chose quand même. Donc, on a fait des photos et tout ça. Pareil, bon, ça vous met pas 10 heures. Hein, ça dépend si vous voulez juste le voir ou si vous voulez faire des photos. Mais même en faisant des photos, on est resté quoi, une demi-heure, trois quarts d'heure. Sachant qu'il a vraiment pris le temps de faire des photos avec son appareil, de shooter aussi de shooter les deux,
les deux ponts. Et le soir, du coup, on a fait le match de NBA. C'était incroyable. On a acheté des petits outfits, comme vous avez pu le voir. C'était vraiment sympa. François a surkiffé puisque c'était un peu un de ses rêves. Moi, c'était Broadway la veille et là, c'était lui, la NBA. C'était trop bien. Oh, mais c'est un show de malade. C'est juste chiant, c'est les gens qui arrivent en retard. Et du coup, ben moi, j'ai loupé le premier panier des Knicks parce que des Espagnols arrivent en mode... Oh, non. Et moi, j'étais en mode purée. Et en fait, je l'ai regardée parce que vraiment, je ne savais pas si c'était en mode, bah, on doit se lever ou pas. Et bien sûr, bah, j'ai loupé le premier panier, le seum. Et les Knicks, du coup, donc c'est l'équipe de New York qui n'ont pas gagné, malheureusement. Ils se sont fait un peu laminer à la fin. Il y a eu 10 points d'écart, je crois. C'est ça, à peu près. Hein. Oh, 10 points. Non, je crois qu'on était une vingtaine. Ah non, 20 points. 19 points d'écart, je crois même. Presque. Ouais, bah, y a eu de la tricherie, par contre. Hein, je suis pas d'accord. Voilà, bref. Mais par contre, ils jouaient tous très bien. C'était vraiment, vraiment une ambiance de dingue. C'est pas donné la bouffe là-bas. Mais bon, après, on le sait, hein, quand on va là-bas et qu'on mange là-bas, bah, forcément, c'est pas donné. Et après, on est rentré, on a dormi comme des masses. Et du coup, aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est l'Empire State Building. Très jolie vue. Non, c'était très beau. En fait, quand vous rentrez, donc on conseille quand même d'avoir les billets parce que vous gagnez vachement de temps quand vous avez les billets. Quand vous rentrez, vous avez la possibilité de voir, du coup, comme vous avez pu le voir, un musée. Et franchement, il y a plein de choses qui sont trop chouettes dans ce musée. Ils ont eu tellement de bonnes idées pour illustrer et tout, la construction, tout ça. C'était vraiment trop bien. La vue est très belle. Ça change. Si vous avez peur, bah, comme François qui disait « Ah, on a fait le Top of the Rock. Là, on va faire l'Empire State Building. Est-ce que ça ne va pas se ressembler ?» Bah, pas vraiment au final. C'est pas vraiment la même vue. Et c'était vraiment chouette. Ce soir, par contre, on était tellement chaos parce qu'on a fait plein d'achats. Donc, au retour en France, je vous ferai un unboxing en espérant que tout arrivera en bon état. Je vous ferai un unboxing de tous mes achats à New York. On a un peu craqué, voilà. Mais c'était cool, on s'est fait plaisir. Et de toute façon, vous savez, on avait prévu de craquer aussi et d'en profiter. Mais du coup, comme on était très, 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 très chargé et que François a très mal aux pieds, moi, très mal aux jambes parce que bah, on a quand même bien marché, on a décidé d'aller dans un magasin, dans une pharmacy. Quand vous disiez pharmacy, ce n'est pas une pharmacie. C'est un magasin avec un petit peu, un petit bout pharmacie, mais c'est 90% un magasin alimentaire slash cosmétique. Enfin, c'est un Leclerc, mais avec une petite pointe de pharmacie à un moment, quoi. On a décidé d'acheter des nouilles instantanées, des chips, des trucs un peu, voilà, c'est pas healthy, on en a conscience. Mais de toute façon, le seul truc healthy, si, quand même, faut noter, le seul truc healthy qu'on a mangé, c'est un Pokéball. C'était cher. Putain, je crois que c'était le repas le plus cher qu'on a bouffé. Parce que c'est healthy et qu'ils te foutent 4 bouts de concombre. Voilà. Donc, le seul légume que j'ai mangé en 5 jours, c'est 4 bouts de concombre. Voilà, parce que c'est ultra cher, c'est abusé. 40 balles les deux Pokéballs. Voilà, voilà. Et c'était pas une quantité énorme non plus. Hein. C'était un Pokéball normal, quoi. Donc, voilà. Donc, prochaine fois que je vais manger mon petit Pokéball, là, qui vient du Leclerc, quand je vais bosser et que je vois que le Pokéball, il a 10 balles, je vais le déguster en me disant « J'ai de la chance de vivre en France et que les légumes ne soient pas aussi chers, que le poisson ne soit pas aussi cher, parce que franchement, c'est abusé. » Mais voilà, du coup, autant vous dire que ça ne nous a pas coûté cher d'acheter ces trucs-là, qu'on va en profiter surtout pour se poser les jambes et les pieds devant la télé, voilà, une petite série sympa, parce que de toute façon ils ont plein de séries trop cool qu'on adore, Modern Family, tout plein de trucs bonnes, c'est tout, enfin trop bien. Et après faire nos valises et demain donc nouvelle aventure, on part le matin pour l'aéroport et on va rejoindre Dylan. Pour ceux qui ne connaissent pas Dylan, c'est le meilleur ami de François. Voilà, parce qu'il n'y a quand même pas que des personnes de la famille qui regardent. Et on va au Canada. Voilà, on part de New York pour aller à Montréal. Et donc là, une nouvelle aventure commence. Du calme, je l'espère, va arriver. Parce que vraiment, j'ai l'impression qu'on va devenir sourd. On va aller voir un ORL au retour en France parce que vraiment c'est une catastrophe. Non, mais par contre, premier degré, c'est une catastrophe. Tout est prétexte pour faire du bruit ici. Les odeurs, au final, on va retenir quoi de New York ? On peut déjà faire un petit point. Les odeurs,
qui sont horribles, vraiment. Ne vous plaignez pas en France, ça sent la rose, vraiment. Entre l'odeur des égouts qui est infecte, l'odeur de bouffe gras, friture, tout grillé, etc. Ça, encore, c'est moins dérangeant, mais voilà, c'est quand même très égout, bouffe, égout. Voilà quoi, donc on a un peu du mal, ça sent bon, façon de parler, et ça pue de ouf. Et la troisième odeur, on va quand même être sur YouTube, donc on ne peut pas trop dire le mot, mais c'est quelque chose qui commence par un W. Et autant vous dire que je crois qu'on était... On se demandait si, en nous faisant un test, en rentrant en France, on n'allait pas être positif, quoi. Vraiment, on n'allait pas trouver des traces, parce que c'est abusé. On sait que c'est légal chez eux, vraiment. On sait qu'à New York, c'est légal. Les gens fument, mais partout, partout. Et qu'il y a un enfant à côté, qu'il n'y ait pas un enfant à côté. Ils fument partout. À moi, on a même senti ça pendant le match du NBA. Il y a un gamin qui s'est retourné vraiment. Je fais, non, c'est pas moi, en fait. Pas du tout. Les gens, on ne comprend pas. Enfin, c'est un truc, enfin, genre, c'est abusé. Ça pue, vraiment, ça pue. Propreté, ça dépend où vous allez. Quel quartier. Quand c'est les quartiers un peu riches, Times Square, machin, bah, il y a toujours des personnes pour ramasser, donc c'est propre. Par contre, quand vous allez, bah là, on est allé pour la NBA, Madison Avenue. C'était pas Madison Avenue ? Madison Square, peut-être. Madison Square ? Je sais plus. Dans ces eaux-là, la propreté n'était pas folle et c'est le seul endroit où on a vu des personnes sous emprise et où ça craignait un peu. Bon, franchement, en 5 jours, on a vu que 2 personnes. Bon, ça va. Mais c'était assez impressionnant quand même à voir. Donc on s'est fissa parce que vraiment on s'est dit oula, faut quand même faire attention. Parce que c'est aussi dangereux pour eux, hein. Ils se mettent en danger, mais voilà. Tant que toi t'en as vu un aussi à Grand Central aujourd'hui. Il était bien sympa. Il s'énervait contre sa veste, qu'il ne voulait pas se mettre toute seule, voyons. Voilà. Alors en fait, non, c'est juste qu'il n'allait pas dans le bon trou pour pouvoir mettre sa manche. Mais voilà. Les gens sont tellement gentils. Ah si, ça aussi, c'est à préciser. En fait, gentils ou pas, c'est surtout qu'ils sont très sociaux. Mm-hmm. Parce que en France, quand tu vois quelqu'un, juste tu le regardes dans les yeux, limite, il se sent agressé, il veut t'attaquer, quoi. Alors ouais. Que là-bas, à n'importe quel moment, ils te disent « Hey, j'aime bien ton... » J'aime bien comment t'as fait tes cheveux, j'aime bien comment t'habilles. Ah oui, moi j'ai une dame à Ulta, quand j'ai fait mes premiers achats à Ulta, elle me fait « Oh, j'adore vos ongles, ils sont trop beaux !» Genre trop chou. C'était trop adorable. Mmh. Et c'était pas en mode « Je veux te vendre quelque chose », parce que vraiment, c'était... Je lui ai demandé un démaquillant parce que j'avais fait des tests sur ma main, et la nana, elle m'a dit « J'aime trop vos ongles, ils sont trop beaux !» Genre, c'est trop chou. Ouais, et puis bah, moi aussi, ce matin, ouais, j'avais mon pull avec écrit un truc en japonais, et il y a une nana qui est venue et qui m'a traduit une japonaise qui a fait « Oh, mais c'est la langue de mon pays! Ah, ça veut dire ça et tout !» Genre, elle était trop chou! Elle était trop adorable, genre comme ça et tout. Et du coup, bah, on savait pas trop quoi dire, on était en mode « Ah, merci !» Ouais. Mais genre, c'était trop adorable. Mmh. Et pareil, aussi, ce soir, on arrive, donc on s'achète des nouilles instantanées, machin. Bien sûr, l'hôtel propose une cuisine, mais il n'y a rien dans la cuisine, à part une bouilloire, alléluia, mais il n'y a rien dans la cuisine, et un micro-ondes aussi. On doit du coup acheter des fourchettes pour manger, donc on décide d'acheter des fourchettes en plastique, ce qui saoule d'ailleurs. Oh, le plastique, oh ça, oh, je suis pas écolo, hein, mais il y a un minimum, et là, oh, la petite écolo qui vient en moi est en sueur depuis 5 jours, je crois que j'ai jamais autant consommé de plastique, en même pas une semaine, qu'en un mois, que c'est ces 3 dernières années même, parce que franchement c'est abusé, mais bref. Et donc la nana regarde, elle scanne tout et tout, enfin vraiment trop chou, genre elle nous met 2 sacs pour pas que ça craque, elle met tous les bouteilles, les machins, les trucs, puis d'un seul coup donc François paye, et elle reprend donc, parce qu'en fait elle a tout pipé, elle a fait payer à François, et après elle a mis dans le sac, elle prend notre sac, notre paquet de combien de 38 fourchettes, je crois, un truc comme ça, enfin abusé le truc quoi, 40 fourchettes, un truc comme ça, et elle regarde, elle fait, bon en anglais bien sûr, mais elle dit vous avez acheté ça pour vos nouilles instantanées, enfin pour vos soupes, et on lui dit oui, elle fait ah mais non, donc François avait fait le code, mais elle fait ah mais non, ah non non, mais attendez, je vous rembourse. Vous avez des fourchettes, des petits kits fourchettes et tout, petites serviettes et tout, gratuits. Et on est en mode, ah, oh, merci. Et elle est en mode, bah non, mais c'est normal. En France, tu payes
10 balles tes fourchettes, on s'en fout, enfin vraiment. Et elle était en mode bah non en fait, enfin payez pas, on a des gratuites et genre j'en ai pris deux parce que c'est juste pour ce soir. Elle était en mode mais vous pouvez en prendre plus et tout, enfin franchement elle était adorable. Genre je lui dis mais merci merci, elle était en mode mais c'est rien, enfin les gens en fait on les remercie mais ils n'ont pas l'habitude d'être remerciés. C'est-à-dire que au Starbucks, parce que mon petit déjeuner à chaque fois au Starbucks c'était plus simple et on s'y connaissait et on connaissait et tout. La nana elle t'appelle, tu le prends. Tu dis merci, elle fait it's my job. Vraiment, genre en mode c'est merci, enfin de rien, mais c'est mon taf en fait. Et parce qu'ils n'ont pas l'habitude qu'on leur dise merci. Mais quand tu dis au revoir aux agents de sécu aussi. Oui, ils sont en mode goodbye. Genre en mode you too. Genre nous on a l'habitude, on fait have a nice day. Et ils sont en mode you too. Genre en mode mais moi là, t'as dit bonne journée à moi. Enfin, genre c'est fou hein. Parce qu'ils n'ont pas cette culture de remercier les gens qui sont au service, en fait. En fait, toutes les personnes qui ont dit merci, c'était que des pas américains du tout. Vraiment que des personnes qui venaient pas du tout de là. Et à chaque fois, ils étaient choqués. Genre, c'est fou. Enfin, voilà. Mais en vrai, du coup, ce qu'on peut retenir, à part donc, les odeurs qui sont horribles, et franchement, j'ai hâte de voir si le Canada, c'est mieux, et j'espère vraiment de tout cœur. Le bruit qui est incessant, vraiment. Et... la gentillesse des Américains, vraiment. On nous a dit, ouais, vous verrez, ils sont très nanana, très carrés, très... oh, ils ont le sourire, en fait. Enfin, franchement, nous, on a eu que des bonnes expériences. Franchement... Au travail aussi, ils dansent. Ah oui, ah ouais, franchement, j'ai toujours dit, je travaille en parfumerie, machin. En gros, voilà, je travaille en parfumerie dans une grosse, grosse parfumerie très connue, hein, voilà, noire et blanche. Le logo, voilà. Là-bas, ils ont droit d'avoir les cheveux détachés. Alors par contre, ils sont très dans le nude. Il n'y a pas beaucoup de couleurs flash. Et nous, on se maquille énormément en flash. Eux, c'est très nude, que ce soit les yeux, les lèvres. C'est pas du tout le même mood que nous. Par contre, cheveux détachés, dread, tresses, couleurs, enfin des cheveux jusqu'aux fesses et pas attachés. Enfin, d'ailleurs, ces cheveux étaient incroyables. Noter, c'était incroyable, genre des tresses multicolores incroyables et des outfits. Nous, on est avec les t-shirts du boulot et les pantalons du boulot. Eux, ils peuvent venir comme ils veulent. En fait, en gros, nous, on a des animateurs qui viennent et qui sont habillés comme ils veulent. Bah, là-bas, ils peuvent être habillés comme ils veulent. Que ce soit cette enseigne, que ce soit Ulta, ils sont habillés comme ils en ont envie. Ils ont juste un petit badge avec leur prénom et le logo de l'entreprise, mais c'est tout en fait. Et moi ça m'a choquée dans le bon sens parce que je me dis mais purée, mais réveillez-vous en France, on est une entreprise française, vous êtes trop carré. Aux États-Unis ils s'éclatent, ils chantent pendant qu'ils sont au travail. Genre quand on est à l'Empire State Building, il y a deux nanas, elles se sont mises à chanter parce qu'elles adoraient cette musique et à danser. Et ben tout le monde avait le smile parce qu'on était en mode oh mais elle chante et elle danse, et ça nous a choqués mais dans le bon sens. Et c'était trop stylé. Enfin, genre, on voit les gens qui sont quand même contents parce qu'ils travaillent des heures et des heures durant, parce qu'on sait que c'est pas comme en France, que des fois, ils ont deux, trois jobs. Enfin, voilà, quoi. C'est vrai et on le voit et on le remarque. Vraiment, il y a des gens qui travaillaient, dans le bâtiment. Ils faisaient leur pause où ils dormaient. Et enfin, vraiment, c'est abusé. Enfin, ils bossent jour et nuit là-bas. Et ben, de voir qu'en fait, ils peuvent chanter, ils peuvent danser, ils sont... Et bah c'est trop cool. Genre à Broadway, la nana qui nous a montré les places, elle chantait d'ailleurs merveilleusement bien. Et à un moment, elle s'est mise à chanter. Enfin, nous en France, on fait ça, enfin, on est trop mal vu. On nous dit bah non en fait, enfin, c'est pas pro. Alors qu'en vrai, bah, je trouve ça dommage parce que c'est trop bien. Moi, je rêverais de... Elles étaient en robe ou purée au magasin quoi. Genre, je suis là en mode mais ah. Et nous, on se bat pour juste avoir le droit de se détacher les cheveux. Enfin, genre, alors qu'elles ont tout. Enfin, c'est trop bien. Franchement, c'est trop cool. Et je trouve ça quand même pro parce qu'elles sont toutes en noir. Donc, en soi, on les reconnaît. Mais elles sont toutes là, quoi. En mode trop belle et tout. Et trop beau. Et chacun leur style. Et je trouve ça trop bien. On a surkiffé. Et franchement, si vous pouvez faire New York, faites-le. Faites peut-être pas comme nous. Prenez peut-être pas 4 jours. Prenez plus. Parce que nous, ouais, on était 4 jours. 4 jours et demi, on va dire. C'est trop bien. Et les prix, par contre, ça vaut pas le coup. De toute façon, je vous en reparlerai quand je ferai le unboxing de tous mes achats. Mais c'est pas aussi peu cher. Comme on l'avait dit, tout a beaucoup augmenté. Mais voilà, après, on s'est fait plaisir et c'est le principal et on a profité. De toute façon, on avait mis de côté depuis plusieurs mois pour se dire qu'on voulait craquer là-bas et qu'on voulait se dire, voilà, ça me plaît vraiment, j'ai vraiment envie de l'avoir, donc je l'achète. Donc, on a fait ça et on a profité. Voilà. Du coup, ce soir, programme, comme j'avais dit, télé.
nouilles instantanées, les noodles en plus, les vrais, les basiques, les clichés. Je crois qu'on a, on peut pas faire plus cliché. Du healthy, 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 j'espère que chez Didier, on arrivera à manger des choses un peu plus... on va du coup ranger tout ça dans nos valises pour que demain matin, bah, du coup, on parte vers 10h. Non, vers 8h, vers 9h, non, vers 10h. Je sais plus. Mais bref, qu'on parte demain matin, qu'on rende les clés et qu'on aille du coup à l'aéroport. Voilà. Donc, ces vlogs à New York sont terminés. Ça y est, l'aventure New York est terminée. Je pense que je vous montrerai un petit peu le départ pour aller à Montréal. Et puis bah, maintenant, ça va être les vlogs pour le Canada. Je confirme bien que ce truc-là, c'est dégueulasse. J'avais vu Jill en manger et tout. En plus, elle avait pris la version épicée. Elle n'avait pas trouvé ça bon. C'est immonde. C'est immonde. Quand on le mange, c'est de la pâte. C'est dégueulasse. François, moi, on est unanime, alors que pourtant, on n'est pas compliqué pour la bouffe. La preuve, hein, on mange les noodles et tout, machin. D'ailleurs, celles-là sont incroyables, je trouve. Mais ça, c'est immonde. Le diable s'habille en Prada à New York. Mon film préféré à New York. Alors, on est un peu en retard, mais Osef, je vois quand même un bout.